heureux de célébrer cette belle inauguration dans ce beau bâtiment. Cette réalisation est en fait le symbole de ce que nous souhaitons pour nos jeunes, pour nos collégiens sur le département de l'Isère. C'est une belle réalisation à 16,5 millions d'euros. Pour nos prochaines réalisations, nous souhaitons qu'elles soient aussi fonctionnelles, aussi esthétiques, mais avec des budgets un peu plus contraints. Nous devons avoir une politique ambitieuse, mais responsable d'un point de vue budgétaire. La priorité pour nous, un, c'est le numérique, qui doit être aussi un outil de développement et d'instruction pour l'ensemble des jeunes sur tout le département. Le deuxième point, la rénovation des collèges pour que les conditions d'accueil soient parfaites. Nous proposons aux établissements, pour ceux qui le souhaitent, l'installation de la vidéosurveillance parce que nous considérons que la sécurité des jeunes et des enseignants est quelque chose d'important. Nous cherchons à modifier la carte scolaire, permettre le remplissage de tous nos collèges et puis aussi, et ce n'est pas quelque chose d'inutile, bien loin de là, d'assurer une réelle mixité sociale. Ce qui nous plaît beaucoup dans ce nouveau bâtiment, c'est la grande qualité des locaux. On est dans des locaux beaucoup plus clairs, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fonctionnels que ne l'étaient les précédents. Ça change totalement l'ambiance au sein du collège. Les élèves et les enseignants ne font que des retours positifs, ils sont très contents. Les enfants sont très fiers de la beauté architecturale de l'ensemble. Les enseignants sont très sensibles à la fonctionnalité des locaux qui leur permet de travailler avec sérénité.